Bonjour, je m'appelle Théo, je suis un élève de seconde et je suis en stage à l'INRIA. Et aujourd'hui, on va apprendre à modéliser une pièce de 3D pour notre robot, le Poppy Ergogier. Donc, on va commencer par la première étape, trouver des outils numériques de modélisation 3D. Donc, il existe plein de logiciels 3D sur le net. Et vous devez faire une liste des logiciels et les trier. Vous devez vous poser la question, quel logiciel vais-je utiliser et pourquoi ? Donc pour notre projet, on va utiliser le logiciel Mesh Mixer, qui est un logiciel qui va permettre de combiner plusieurs pièces 3D. Après avoir installé le logiciel, on va télécharger les pièces. Donc on va aller sur le site Thingiverse pour installer les pièces ou télécharger les pièces de notre robot, le Poppy Ergogier. Pour mon projet, je télécharge aussi un labyrinthe. Vous pouvez, vous, selon votre projet, vous pouvez télécharger une tête de super-héros ou tout autre objet, tant que vous pourrez le modifier dans Mesh Mixer, mais c'est vraiment tout ce que vous voulez. Ensuite, on va remodéliser la pièce en 3D. Donc, on va ouvrir notre logiciel Mesh Mixer et importer les pièces qu'on a téléchargées et extraites du fichier. Donc, on va importer le premier Short U. Donc, c'est la pièce du robot Ergogier qui va permettre de soutenir le labyrinthe. Et ensuite, on va importer pour moi le labyrinthe. Voilà, et ensuite on va les assembler. Donc il existe une commande qui est dans Edit qui s'appelle Transform et ça va permettre de redimensionner le labyrinthe. Donc les flèches servent à déplacer le labyrinthe tandis que les carrés au bout des flèches servent à redimensionner le labyrinthe. Ensuite, quand cela est fait, vous allez sélectionner les deux pièces dans l'object border et faites combine. Donc maintenant, les deux pièces ne font plus qu'une. Ensuite, vous allez cliquer sur make solid. Donc cet outil va permettre de souder les deux pièces ensemble. Donc je fais quelques réglages de paramètres dans le make solid. Voilà. Et après, j'accepte. Donc pour voir plus de commandes, je vous invite à voir la vidéo Mesh Mixer Make a Solid. C'est la première vidéo avec un requin et des ailes de chauve-souris. Après, on imprime la pièce. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous aidera pour votre conception de pièces 3D. Au revoir.